tok jonkon di golu di xaar di golu di xaar la di xaar luy xew ñaar moy am ngén waxtan ngén ñité djema xol lan ngén mëna sigil sénégal ñitt ñi andak yeen wala ngén woné ka yeen ñen ñep autant que vous êtes opposition comme pouvoir vous êtes des irresponsables à partir de ce moment la personne qui dirigera ce pays ne sera pas un civil ce sera qui mars 2021 yangi fi mangi fi archive ñu ngi fi les chars de combat sont arrivés en ville ou pas les chars de combat dañu yegg ba place indépendance ou pas ba dama lay laaj fan nga mësse gis ñuy def maintien de l'ordre ak chars de combat dama lay laaj dafa mon tentative de récupération dama lay laaj fan nga mësse gis Si nous décrétons l'état de siège, l'armée est gagnée. Non, non, non. Et les militaires sont sur des chars. Non, il faut que nous nous fassions des choses. Regardez ce qui s'est passé en mars 2021. L'armée, quand elle est venue, elle possède, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas nettoyé presque tous les états-majors. Vous savez ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu défaillance. Non, vous savez ce que je veux dire? Ce n'est pas question de défaillance. Il y a eu défaillance. Maïmouna. Maïmouna, les Sénégalais... Dans les cercles du pouvoir, on a estimé que Tahawai, bi yenn kilifa yi waron taxawé, taxawewuñu ko, et que le pouvoir en place était menacé. Après, ils ont fait le nettoyage. Maïmouna, l'armée sénégalaise n'ouvrira jamais le feu sur le peuple sénégalais. Jamais. Mais si le pouvoir, cette fois-ci, se retrouve dans la rue et par terre, il faut que les Sénégalais sachent que les militaires sénégalais sont des citoyens sénégalais. Et au passage, ils ont le droit de voter. Et ils ont une opinion. Et ils peuvent prendre le pouvoir. Maïmouna, vous n'êtes pas mieux que les Maliens qu'on salue au passage. Vous n'êtes pas mieux que les Guinéens qu'on salue au passage. On a une armée républicaine de référence mondiale. Maïmouna, même me développer. Ah si. Parce que de manière ouartansek askan. Armée Sénégal de femmes histoire. Maïmouna, xam nga lu gëna bon ci aduna moy kuy foyé xélam. Bay leen di foyé sen xél. On ne peut pas être dans une république. Ça concerne tout le monde en commençant par Macky Sall, président de la République. Macky Sall, nous d'accord pour Wartan. Mais man, je suis en termes de référence. Pour dialogue Soubebi. Pour dialogue Soubebi. Je suis en train de faire une invitation. Mais avec ce qui s'est passé chez moi, je n'ai pas pu joindre Khalifa Sall. Mais demain, je n'irai pas au dialogue. Ah, mais vous êtes contradictoire. Non, je ne suis pas contradictoire. Ah si. Parce que Macky Sall... Dama ko wo ci dialogue de am ay terme de référence mais ma ñew amna ku bax di kilifa bu mané luko état bi gissé nuko état bi namé moy suba ci ngone ñom dañuy ubbi le dialogue ya ngay dekk moy ben ñu né ensuite ni bok ci dialogue bi ñom ñoy tok sen bir définir les termes ñom ñu définir les termes de référence mais ma ñew rek maymuna xam nga man Aucun problème avec nous dem un le talk ci dialogue bi. Man le problème que j'ai c'est avec Macky Sall. Ce problème il s'appelle troisième candidature qui lui est prêtée. Macky Sall wax na fi gemignam suma nop, wax na gemignam son nop, wax na gemignam nopu askanu Sénégal, wax na gemignam nopu communauté internationale. Néna troisième mandat munu fi am, il a verrouillé la constitution. Je veux savoir, est-ce qu'un autre Macky Sall, entre-temps, a vu le jour? Mais tu dis que Macky Sall a le droit au troisième mandat? Non, Maïmouna. Macky Sall a fait le troisième mandat, si personne ne l'a dit, Barthélémy. Mais Maïmouna, est-ce que je peux dire que je ne suis pas juriste? D'accord. Je ne suis pas. Mais Maïmouna, tu veux faire une émission sur mon place? Maïmouna, je ne suis pas juriste, on est d'accord. Je ne suis pas constitutionnaliste, on est d'accord. Parce que quand je dis Lolo, je n'avais pas encore reçu l'avis d'un constitutionnaliste qui m'avait dit, Monsieur le maire,
constitution bu fi président Ablaye Watt fek bu muy fallu en 2000 constitution bobu dañu wonon limiter les mandats à deux. Le président Abdoulaye Watt votait la constitution de 2001 ou de 2002. Constitution de 2001. 2001. La loi n'étant pas rétroactive, donc ça ne s'appliquait pas au premier mandat du président Abdoulaye Watt. Mounema wante, monsieur le maire Barthélémy Diaz, d'un djoum. Manako fan la djoumé. Mounema président Macky Sall, dégna le nga wak lunga wak legini. Timan. Mounema fofu d'un djoum. Manako loutak ma djoum. Mounema président Abdoulaye Watt, président Macky Sall, boumou y fallou, 2012. Constitution, boumou fi fekon. Mouy bou 2001, de fou verrouye. Mouy bou 2001, boubou. Verrouye wonne déjà les deux mandats du président. Manako, ah bon, et après. Mounema, le président Macky Sall n'a pas voté une nouvelle constitution. Il a seulement fait ce qu'on appelle une révision de la constitution. Donc, rien n'a changé sous la limitation des mandats. Mounema, yo, nak, soye wak, wakou élection, mandame nopi. Wante man, soye wak, wakou constitution, yo nopi. Donc, la, mounge ti genne dal. Non, xam nga, domou adama, mounne djoum, yale dek doul djoum. Xam nga man. Suma djoumé man nangul nek djoumna mais dama bëgg wax ci lèr moi le dialogue politique il y a 5 points qui m'intéressent solo wax deug yalla suñ ko mënulé arrêter ci ay termes de référence duma fa dem mais 5 points yoyu 3e mandat wax nga ko ma ñew la première chose président Macky Sall dama bëgg ñu waxtaan man j'ai des arguments pour le convaincre lutax na wul def 3e mandat. Parce que c'est le président Macky Sall, le tal. Mais Macky Sall, vous avez fait le troisième mandat. Non, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Parce que je ne veux pas que je ne veux pas. Ah oui, si Grandi, Macky, s'il refuse qu'on inscrive la question de la troisième candidature qui lui est prêtée de, sur les termes de référence, ça veut dire que je ne veux pas que je ne veux pas. Moi, j'accepte Moussa Gama. Mais je ne veux pas que je ne veux pas que je Maïmouna. Il faut engager moi pour me dire que Maïmouna, même à me développer, s'il te plaît, c'est important ce que je dis. Je vous dis, ce pays va droit au mur. C'est pas de la blague. Yo Yangi Tokfi, ton siège est protégé. C'est pas normal. Cette situation ne peut pas continuer. Et je vais vous dire une chose. Si les Sénégalais sont forcés à régler leurs problèmes entre eux, ça s'appelle une guerre civile. Il faut arrêter. Dans ce pays, des gens ont déjà été éliminés. Egoutili. Mais nous avons dal. Ce qui se passe actuellement, nous avons un fort. Comme ce que je veux dire par là, le président Macky Sall, s'il n'accepte pas qu'on inscrive lors de ce dialogue la question de la troisième candidature qui lui est prêtée, ça veut dire qu'on n'est plus dans le ni oui ni non, on est dans le oui. Si on est dans le oui, moi je n'ai rien à faire dans ce dialogue. Oui, deuxième chose. Troisième. Non, non, je suis toujours sur le premier point. Je suis sur le premier point. Khalifa Sall l'aidem soube. Man, je ne suis pas le responsable de Tahaou Sénégal. Mais man, Barthélémy Diaz, en tant qu'acteur, j'ai le droit de dire, de n'agno top si on discute de ça. Parce que man, j'ai l'intime conviction que maintenant, Wartan avec le président Macky Sall, qui Yarak Tegin, qui Mbok, ak ci gëmël ko Sénégal ak ci jox ko cër biko sénégalais yi jox mëno dem di waxtaan ak président de la république nga bëgg tek say exigence ne ko mbir bi ni lay défé bu démé wu ni man duma ñëw Maïmouna franchement parce que c'est lui le président élu après tout ma sœur Maïmouna dama lay expliquer ma président Macky Sall su nango le principe du dialogue amna lu mu ci wut bëgg na waxtaan man amna lu mu ci wut ñen ñu fay ñëw amna ñuy wut man dama lay expliquer lu may wut. Le troisième mandat qui est prêté au président Macky Sall, si le président Macky Sall considère que dialogue bi nous kay waxtane, avec tout le respect que j'ai pour le président et pour le peuple sénégalais, je n'irai pas à ce dialogue. Le deuxième point. Deuxième point. Constitution du Sénégal. Lumu may président Macky Sall te ñu nangul koko. Moi constitution may nako mu am droit organiser élection te baña organiser sélection. Ne pay bok. Parce que tay amna ñuy xataraayo parce que dañ leen bëgg tek lu nga xamni ni dafa jaaduul ma bëggon nak wax ci lèr ñun ñu ngi dundu actuellement à l'heure où on parle motax sax ya ngi wax ci coalition man la non il faut pas parler d'une coalition
Une coalition qui ne parle que d'un homme et d'un parti n'est pas une coalition, c'est un mouvement de soutien. Man bokku ma ci lolu parce que tay Khalifa Sall bokul ci ben élection, il est inéligible, lutax kenn duko xexal, lutax kenn duko waxal, lutax kenn duko kassal. Le troisième point, il faut que le président de la République accepte de parler des 400 détenus politiques. Dafa jadoul détenus politiques, non ma ñew. Il n'y a pas 400 détenus politiques. Il y a 400 personnes qui sont actuellement. Médias, les jeunes qui ont attaqué ton domicile, s'ils, même s'ils appartiennent à un parti, ce ne sont pas des détenus politiques, ce sont des bandits. Manyaw, les gens qui ont été arrêtés, au moment où on les arrêtait, on ne commençait pas à attaquer les maisons. C'est qu'un médic. Mais le Mugawarti l'air, je ne suis pas la justice. Je ne suis pas là pour dire que ça doit se passer par force comme ça. Demain. Il y a 400 personnes qui sont en prison. Mais dañu waxant deug man ak yow. Nak nga mëna jël ñi tecc ko ci kasso parce qu'il a fait un post Facebook. Il faut arrêter. Ça c'est de l'opinion. Non, Magnaw, je donne mon point de vue. Ils sont détenus pour leurs opinions non. politiques. Ñoñu mën nañ leen wowe détenus politiques. Non, Magnaw, man lu may wax, il faut qu'on arrive à apaiser le climat. Le quatrième point sur lequel faut que ñu waxtane. Parrainage faut que ñu waxtane ko. Fichier électoral bi faut que ñu waxtane ko. Les cartes d'électeurs, il faut que nous voyons ça. Nous sommes des citoyens sénégalais. Dem bindu, bëgg voter, nous connaissons ton droit de vote. Est-ce qu'il y a un médic? C'est-à-dire que je veux qu'on se comprenne. Moi, tay, sous ma responsabilité, moi, je veux que je puisse faire pour le Sénégal bagne dougu ci goutte. Nous xass ma ci, ñu saga ma ci. Ce n'est pas mon problème parce que man jamu Sénégal jaral na ma lu nek. Légui. Maintenant nga bëgg mo wax bi lèr. Si le président Macky Sall, qui est un acteur politique, n'accepte pas d'accéder à notre demande, il faut que ce soit bien dit. Le président Macky Sall sera le seul et unique responsable de la situation qui va advenir dans ce pays. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Les hommes politiques, accès militants, accès sympathisants, ils sont insignifiants dans ce pays, dans ce peuple qu'on appelle le peuple sénégalais. Légué. Y compris dans le fichier électoral. Macky Sall, ñom dañ japp nañ né demain bu ñu tijé ci ngeen di tek terme de référence. Donc yow demain di nga dem. Khalifa Sall dina dem. Duma dem parce que man j'ai déjà indiqué. Do dem. Ma ñow parce qu'il faut que même me développer. Yow kay sank ba tay yaangi développer. Non, demain développer parce que lu mi wax dafa am solo. Djémuma wor ndomb ken. Djémuma gassal kamb ken. J'ai accepté de me lever, de partir à un dialogue sincère, sérieux, constructif et objectif pour le compte exclusif de l'intérêt du Sénégal. Maintenant, nak, lolu pour madame Fofou, je veux que de l'autre côté, que nous wone ma tamit sincérité, sérieux, objectivité ak tamit gëm ëlëk au Sénégal. Je le répète sur ce plateau. Si Macky Sall, mais bo damul noy xamé lolu. Mais parce que nénañ ma fi ak ñaari fan dinañ tek les termes de référence. Mang len di sétane. Je ne viendrai que si on doit parler de choses sérieuses. Wa légui bo nan kenn duma no har Barcelone. Le dialogue. C'est important. Le dialogue. Quand tu dis mais tay nak tu as décidé de faire l'émission comme je veux. Non. Quand tu dis kenn du le wour ndombo. Dafa am ba ngay wax ak Macky Sall. Dafa am lo len wax mu nanguko et que tay selon ni ñi nek di dérouler, tu as l'impression que dañ la bëgg ñuy. J'ai pas l'impression. Ah. Je ne vois pas de sérieux. Okay. Je ne vois pas d'objectivité. Et je pense que les gens ont besoin de comprendre la gravité. Mais votre engagement, le président Djulon, ba mu tax nga jël risque politique yi nga jël yépp. Président Djulon, ben engagement. Ah. Djuluma ben risque politique. Si. Net. Si. Je fais de la politique. Si. C'est différent. En allant à contre-courant de Yewi Askan bi. Lan moy Yewi Askan bi? Mouvement de soutien ma ngay wax non. Yewi Askan. Mouvement de soutien, c'était votre grande coalition. Aujourd'hui, cette coalition, une coalition pour laquelle vous vous êtes beaucoup donné. Maintenant, si tu peux me laisser parler avec les Sénégalais, ñu mais cette année, cette coalition ne se bat pas pour les intérêts de toutes les personnes déclarées candidates. Cette coalition, fan ngeen ko mësé dégg mu xéxal Khalifa Sall. Fan ngeen ko dégg mu kassal Khalifa Sall. Fan ngeen ko mësse dégg mu taxaw ni Khalifa Sall dafa nara bok fan on sort des élections lan lañu waxane ci élections yi dañu né dañuy dem local ensemble dem législative ensemble suñ ci génné ku nekk amna droit nekk candidat tay ñom ñu japp ni ya qu'une seule personne qui a le droit d'être candidat c'est leur droit man dama politique duma foy suma xéna dina la wax dara ma yok ci dara man lu tax ñu dakh ma partisaniste Ousmane Tano Dieng nekkon suma baye
ci politique suma xarit suma soppé. On m'a exclu du Parti Socialiste avec tous mes camarades pour une question de principe. Nous avons un candidat. Nous avons dit que 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 nous sommes des socialistes. Nous avons droit à un candidat. Nous d'accord nous parti socialiste parce qu'on avait dit qu'on veut un candidat. Faut que tous nos mandats, ça veut dire qu'il y a 2 ans et demi, nous avons un candidat. Nous avons un candidat. Nous avons un candidat. Nous avons un candidat. On veut nous faire croire qu'on est dans une coalition qui ne se bat que pour un homme et pour un parti.